Bonjour à toutes, vous m'avez réclamé un maquillage de vampire sur Facebook, donc on est parti. Pour commencer, j'éclaircis mon visage. Vous pouvez le faire avec un fond de teint trop clair ou avec un crayon blanc, comme vous voulez. Et je vous laisse tous les produits en barre d'infos. Maintenant, je viens fixer le tout avec une poudre blanche. Je vais principalement utiliser ma palette Coastal Sense et pour commencer, je vais mélanger un fard noir et un fard brun pour définir mon visage. Après avoir accentué les sourcils à l'aide d'un fard noir, je vais maintenant appliquer une base à paupières pour commencer le maquillage des yeux. Donc je vais commencer par appliquer un fard noir sur toute la paupière mobile et je vais ensuite par-dessus appliquer un fard mauve. Après avoir estompé les bords, on va maintenant appliquer un fard rouge sur l'extérieur du maquillage. À l'aide d'un pinceau humidifié, je vais maintenant appliquer ce même fard rouge dans la muqueuse. Avec le fard noir et le fard mauve, je vais maintenant tracer le ras de cils inférieur et je vais ensuite fondre le tout avec le fard rouge. N'hésitez pas à bien descendre le ras de cils inférieur. Je relie maintenant le coin interne de l'œil au reste du maquillage grâce à un fard mauve. Après avoir tracé un trait liner, je vais maintenant réintensifier tout le coin externe à l'aide du fard noir. Je réintensifie également le ras de cils inférieur. Et pour être sûre que le dessous des yeux soit bien net, je repasse une dernière fois avec ma poudre blanche. Je trace maintenant le contour externe des lèvres à l'aide d'un crayon noir. Et je remplis les lèvres à l'aide d'un crayon mauve. J'applique ici un rouge à lèvres aubergine foncé pour unifier le tout et je vais prendre du fard rouge, le même que j'ai mis sur les yeux, que j'applique au centre des lèvres. Ça va vraiment donner du relief au maquillage. À l'aide d'un fard brun, je trace maintenant les traits sous les yeux. Et je repoudre le tout pour un effet plus naturel. Et voilà, on a fini.